Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un endroit dans lequel j'ai envie de partager des informations, des inspirations et tous les trésors, tout ce que j'ai trouvé sur mon propre chemin pour rendre l'accès plus facile à toutes ces ressources qui sont tellement puissantes et dont certaines ne sont pas encore assez connues, surtout tout ce qui concerne le lien entre le corps et l'esprit. Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que tu vas bien au milieu de ce printemps. J'aimerais bien commencer cet épisode avec un grand merci. Merci d'être là, merci de revenir. Peut-être c'est le tout premier épisode que tu entends. Dans ce cas-là, bienvenue. Et merci surtout pour tous les retours que je reçois sur des chemins différents et variés. Et là, j'ai envie de partager un mail que j'ai reçu de la part d'Audrey qui m'a beaucoup touchée. Et Audrey m'écrit « J'aime vraiment la façon dont tu arrives à permettre de me reconnecter au corps et de faire le lien entre mes sensations, émotions et pensées. J'ai l'habitude de méditer depuis plusieurs années, mais je dois dire que tu es vraiment celle qui permet de revenir à moi et mon corps de façon très profonde pour m'aider à savoir quels sont mes vrais besoins, chose qui était difficile pour moi. » Et puis, j'aime aussi beaucoup écouter à la fois les interviews ou tes propres exposés, toujours pertinents sur des thèmes très utiles. Merci beaucoup Audrey pour ce magnifique partage. Ça me fait tellement plaisir parce que c'est vraiment ça que je souhaite de transmettre, de partager, justement de faire le lien entre le corps, les pensées, de vous donner des outils, de vous rappeler de revenir dans le moment présent, de ressentir les émotions dans le corps, de faire un peu le tri entre les pensées, les émotions, les sensations, parce que souvent on est pris là-dedans, surtout quand c'est négatif et désagréable et on se laisse envahir ou emporter. Alors qu'il y a des techniques, il y a des façons de méditer, de faire, de se reconnecter pour clarifier tout ça et pour aller dans la connexion à soi-même derrière ou en dessous. Et justement, j'ai envie que vous soyez plus en connexion avec vos propres besoins, d'entendre les messages de votre corps et de pouvoir mieux nourrir ce dont vous avez vraiment besoin. Donc merci beaucoup pour tous vos commentaires, pour vos retours et pour vos questions, parce que vos questions m'inspirent pour des nouvelles épisodes de ce podcast. Donc si vous avez des envies de thèmes, des problématiques auxquelles vous êtes confrontés, si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus à m'écrire, par exemple en répondant à ma newsletter, la lettre d'Olivia. Et avec tout ça dit, maintenant, c'est parti pour le nouvel épisode sur la gratitude. J'en parle beaucoup de la gratitude parce que c'est quelque chose qui est simple, qui est très puissant, qui est toujours accessible. Il y a beaucoup d'études qui ont été menées autour de la question de la gratitude. Brené Brown, dont j'ai parlé d'une de les newsletters de cette année, c'est une chercheuse américaine. Elle a constaté que toutes les personnes qui se disent heureuses dans leur vie ont une certaine pratique de la gratitude. La gratitude modifie les neurotransmetteurs dans notre cerveau. La pratique de la gratitude augmente le taux de dopamine, de sérotonine et d'ocytocine dans le cerveau. La gratitude diminue le taux de cortisol dans le cerveau
Et du coup, par conséquence, une pratique de gratitude réduit vraiment le stress, peut diminuer les maladies cardiovasculaires, les états dépressifs, amène un état de bien-être, amène une sensation de sécurité, de réassurance, nous permet d'être plus en lien avec notre entourage, avec d'autres personnes, ce qui, par conséquence, re-augmente notre taux d'ocytocine, de sérotonine et de dopamine. Donc une simple pratique de gratitude peut vraiment influencer notre bien-être, notre santé mentale et psychique, et les relations qu'on a avec nous-mêmes et avec autrui. Par ailleurs, les études ont démontré que les personnes qui pratiquent la gratitude au quotidien ont un meilleur sommeil, le taux d'inflammation est réduit, elles vivent une qualité de satisfaction dans leur vie, du coup ça leur donne plus d'énergie et plus de motivation de créer leur propre vie. Et les personnes qui pratiquent de la gratitude sont plus généreuses dans leur vie. Mais alors, qu'est-ce que c'est la gratitude? La gratitude, c'est une émotion, si on veut dire, ou plutôt un acte ou une action où on reconnaît ce qui est positif dans notre vie. À vrai dire, c'est un peu plus que juste, entre guillemets, une émotion ou une attitude, parce que ça demande un petit effort, si on veut dire effort, mais de la gratitude nécessite une petite action mentale de ma part, de vraiment porter mon attention sur ce qui est bon dans mon quotidien, dans ma vie, dans le moment présent, de reconnaître ça, et de ressentir de la reconnaissance pour ce que la vie m'a offert, ce que les autres m'ont offert, ce que je me suis offert moi-même. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a plusieurs niveaux de gratitude. Je peux, par exemple, marcher dans la rue, entendre le chant des oiseaux, me sentir bien, puis focaliser vraiment dessus et activer une sorte de reconnaissance. Et prendre un moment pour vraiment, les anglophones, ils disent « take it in ». En français, ça voudrait dire « le laisser rentrer, l'accueillir ». Accueillir ce chant des oiseaux qui me fait plaisir et le ressentir physiquement. Et le plus je ressens quelque chose physiquement, le plus je l'expérimente dans mon corps, le plus je vais permettre à mon cerveau, justement, de créer de la dopamine, de la sérotonine et de l'ocytocine. Donc pour rendre votre pratique de gratitude vraiment efficace, entre guillemets, ça peut être utile de prendre un moment, de s'arrêter dans le quotidien pour vraiment vivre, laisser entrer ce qui est bon dans la vie. Il y a plein de pratiques de gratitude différentes. Il y a par exemple le livre de la gratitude, le carnet de la gratitude. Si vous avez envie de faire ça, vous prenez un livre et tous les soirs, vous vous posez la question « Quelles sont trois choses pour lesquelles je peux être reconnaissante aujourd'hui ?» Pour lesquelles je peux être reconnaissant aujourd'hui. Et vous les notez. Alors, les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude de focaliser sur ce qui est bon, peut-être trois choses par jour, ça va être ultra difficile au début. Vous pouvez donc commencer par une chose, noter une chose qui était bien aujourd'hui, et vous allez voir au fur et à mesure, comme c'est quelque chose que vous faites de façon quotidienne, votre regard dans la journée va commencer à se focaliser sur ce qui est bon. Rien que par le fait que votre cerveau sait ce soir, il va falloir que je note trois trucs, donc il faut que je me rende compte. Et rien que ça, c'est magique sur la durée, c'est votre cerveau va changer son fonctionnement et vous allez être beaucoup plus attentif à toutes les petites et grandes, mais surtout les petites choses qui sont bonnes dans votre vie. Donc, livrez le carnet de gratitude, notez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans la journée, et peut-être une petite note
On a souvent l'impression que on peut être reconnaissant seulement pour vraiment les gros trucs, pour le gros cadeau que la vie m'a donné, pour une grande réussite dans ma vie, ou pour un grand service que quelqu'un m'a rendu. Alors ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher tous les petits moments qui sont bons. Justement, je parlais des oiseaux dans la rue, ça peut être le café que vous savourez le matin, ça peut être le sourire d'une personne inconnue dans la rue, ça peut être avoir pris conscience de la beauté de quelque chose qui était là dans la journée. Une deuxième façon qui est chouette de pratiquer la gratitude, c'est de se chercher un binôme, un gratitude buddy, une personne avec qui vous pratiquez ensemble. Et par exemple, tous les jours, vous vous envoyez un mail juste pour partager avec une autre personne quelque chose qui était bon pour vous. Et l'important, c'est pas de répondre à l'autre ou de rentrer dans une discussion, mais juste avoir quelqu'un avec qui vous partagez et qui est en quelque sorte le témoin. Autant ça donne une motivation de rester dans cette pratique, c'est une inspiration parce que vous accueillez ce que l'autre voit et vous le partagez par écrit. Donc ça fait plusieurs choses. Le fait de l'écrire, ça reconnecte le cerveau gauche et le cerveau droit. Donc ça s'intègre encore plus dans votre vécu. Et le fait de partager, ça crée une relation et en plus ça crée la relation du lien autour de quelque chose qui est bon. Ça peut être très puissant de faire ça. Il y a cette belle pratique que beaucoup de personnes commencent le début de l'année et font sur toute l'année, c'est de, une fois par semaine, par exemple le dimanche, moi je le fais le dimanche, vous vous posez la question, qu'est-ce qui était vraiment bon la semaine dernière ? Et avec vraiment bon, ça peut être des gros trucs, mais ça peut être un tout petit moment dont j'ai pris conscience, un moment où j'ai savouré quelque chose de bon. Un rayon de soleil sur ma peau et je l'ai vraiment vécu, j'ai pris le temps, je l'ai savouré. Et une fois par semaine, vous notez ça sur un petit papier ou sur un post-it et vous le mettez dans un bocal. Et si vous faites ça sur toute l'année, c'est une très belle expérience de le 31 de l'année, 31 décembre au réveillon, de sortir tous ces papiers, de les déposer devant vous et de vous rendre compte de tous les cadeaux que vous avez vécus pendant l'année. Par ailleurs, si vous faites le livret ou le carnet de gratitude, bien sûr, dans les moments où vous n'allez pas bien, vous pouvez feuilleter dedans, vous pouvez ouvrir les pages et lire et vous allez vous rendre compte que ça modifie votre énergie. Si vous n'étiez pas bien, ça va vous prendre conscience qu'il y a du bon que vous vivez au quotidien. Après, vous pouvez, donc une autre façon de pratiquer la gratitude, quand vous vivez un moment qui est vraiment extraordinairement bon, et ça peut être un mariage, une naissance, un rencard, comme ça peut être un coucher de soleil, un moment pendant les vacances sur la plage, peu importe, mais un moment où vous êtes vraiment bien, et bien là, allez consciemment dans la gratitude. Et même de dire les mots merci et de les répéter peut rendre l'expérience encore plus puissante. Ce qui arrive souvent, c'est que quand je vis un moment qui est vraiment bon ou une période dans ma vie où je suis vraiment bien, il y a ces peurs qui viennent, oh là là, mais si ça dure pas, quand est-ce que ça va se terminer? Certainement ça ne va pas durer, donc il vaut mieux que je n'apprécie pas complètement pour pas être déçu, pour pas retomber derrière. Donc il y a souvent cette peur de perdre ce qui est bon qui nous empêche de réellement vivre ce qui est là, ce qui est bon et présent. Et donc au lieu de vous laisser aller dans ces peurs et de vous empêcher de vivre ce qui est bon,
Eh bien, justement, activer la gratitude. Et là, aller dans « Waouh, ça m'arrive, merci !» D'aller dans la reconnaissance que ça aussi, ça fait partie de votre vie, c'est maintenant. Et de remercier, de vous remercier, de remercier l'univers. Si vous êtes croyant, vous pouvez remercier Dieu. Mais en tout cas, de pratiquer la gratitude dans les bons moments, quand ils sont là. Et puis bien sûr, il y a la pratique de la gratitude via la méditation. Vous pouvez de temps en temps vous faire une méditation de la gratitude, donc prendre un moment à part où vous vous connectez à ce qui est bon dans votre vie actuellement et de l'accueillir dans les sens physiques, avec les émotions qui viennent, justement, la joie, l'excitation, l'appréciation, la détente. Et donc, au fur et à mesure, vous cultivez comme un jardin de choses qui sont bonnes dans votre vie. Un truc qui est peut-être important à dire quand même, c'est que quand vous avez un grand chagrin, quand il y a quelque chose qui est extrêmement difficile dans votre vie actuellement, il ne s'agit pas de nier ce qui est là. Donc, le but, c'est pas de mettre une couche de gratitude pour oublier ce qui ne va pas. Mais bien évidemment, les choses difficiles ont besoin d'être reconnues aussi. La gratitude n'est donc pas là pour couvrir quelque chose pour ne pas aller voir, mais plutôt pour peut-être équilibrer ou pour amener aussi de la douceur dans les choses difficiles. Parce qu'en général, dans la vie, il y a la place pour tout et il y a de tout. Il y a les douleurs, il y a les blessures et il y a ce qui est bon. Autrement dit, dans une vie, il y a toutes les saisons, il y a la place pour le printemps où les choses naissent, l'été où on en profite, l'automne où les choses vont vers une fin, et l'hiver où c'est le repos. Dans une vie, il y a la vie et la mort. Dans une vie, dans la nature, il y a la pluie et le soleil. Donc c'est important de faire de la place pour tout ça. Et si vous avez envie, je vous propose maintenant une courte pratique de gratitude que vous pouvez refaire et intégrer très facilement dans votre quotidien. Pour cette mini-expérience de la gratitude, laissez venir ce qui est bien dans votre vie actuellement. Vous pouvez laisser venir une chose, une personne, une qualité, un événement, ou les laisser défiler. Et je vous rappelle que ça peut être des petites choses comme le lit qui était confortable ce matin, le rayon de soleil qui traverse les nuages, ou le thé qui était particulièrement bon ce matin, comme ça peut être une personne, un être, un animal de compagnie, un moment, quelque chose que vous avez réussi à faire. Juste laissez venir. Vous pouvez laisser venir aussi des couleurs, des détails, quels mots étaient parlés. Et puis, tranquillement, commencez à ressentir ce qui se passe dans votre corps quand vous vous connectez à quelque chose qui est bon dans votre vie. Des fois, c'est les épaules qui se détendent ou c'est une chaleur ou une douceur dans l'espace du cœur. Des fois, c'est un sourire qui commence à se dessiner sur votre visage. Des fois, la respiration s'allonge. Prenez un moment pour vraiment vous rendre compte que ce moment vous a fait du bien, à quel point vous êtes
heureuse que cette personne soit dans votre vie, à quel point vous êtes peut-être fier de vous d'avoir réussi à faire quelque chose, à être d'une certaine façon. Et puis, voyez ce qui se passe si vous prononcez le mot « merci ». Prononcez-le à voix haute. Merci. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous dites à voix haute « merci » ? Bienvenue après ce solo sur la gratitude. J'espère que cet épisode vous a fait du bien, qu'il vous a connecté à des choses qui sont bien dans votre vie, à des cadeaux de la vie, à des personnes auxquelles vous auriez peut-être envie de dire merci dans la vraie vie. Peut-être cet épisode t'a donné envie de te prendre dans les bras, de te faire un sourire à toi-même pour te dire merci. Merci d'être là, dans ce corps, dans cette vie. Merci pour tout le chemin que tu as déjà traversé. Peut-être tu as envie de te dire que tu es fière de toi. Moi, en tout cas, je te remercie de prendre le temps, de prendre soin de toi, parce que j'imagine que tu le fais si tu m'écoutes. Et je suis fière de toi. Si tu as envie de partager cet épisode avec un ami, avec un collègue, avec quelqu'un dans ta famille, merci à tous ceux déjà qui partagent ce podcast régulièrement. Tu peux bien évidemment me laisser un commentaire ou un avis 5 étoiles sur la plateforme où tu écoutes ce podcast. Ça permet à plus de personnes de le trouver et c'est un vrai soutien pour mon travail. Si tu as envie d'apprendre plus sur moi, sur mon travail, si tu as envie de te laisser inspirer d'une autre façon, il y a la lettre d'Olivia qui sort une fois par mois. Tu peux t'inscrire, c'est gratuit. Et cette année, tous les premiers du mois, je vous partage des personnes qui m'ont inspiré, qui ont inspiré ma façon de travailler. Et ce qui est particulier, je crois que je ne l'ai pas encore vraiment dit, c'est que comme je suis allemande à la base, je me suis laissée inspirer beaucoup à l'étranger, beaucoup dans les pays anglophones, et j'ai l'impression que c'est un peu une particularité parce que ici en France, ça m'a toujours manqué et ça donne une autre touche à mon travail, à ma façon d'accompagner. Donc vous êtes les bienvenus. Tu trouves le lien en dessous de cet épisode. Et maintenant, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée. Je te souhaite de bien prendre soin de toi si tu es dans un moment difficile. Je pense fort à toi et je te dis à bientôt.